Unisanté comme centre universitaire de médecine générale et santé publique a la possibilité d'aborder l'erreur d'une façon positive et d'une façon multidisciplinaire. Nous avons la possibilité d'analyser une situation avec un regard d'un infirmier, d'une infirmière, d'un médecin, d'un pharmacien, d'un expert qualité, de quelqu'un de la ligne administrative. C'est vraiment une richesse qui est particulière dans le domaine ambulatoire parce qu'en tant que centre universitaire, on a la possibilité de réunir toutes ces différentes manières de voir le système de santé, d'analyser ces différents risques et les différentes failles qui pourront éventuellement survenir. Et c'est pour cela que nous avons un rôle assez particulier dans la gestion de l'erreur en médecine ambulatoire. Unisanté a adopté l'expression « message qualité » pour la notification des événements critiques survenus dans l'institution. Ceci est important parce que c'est les messages qualité qui donnent lieu à la description d'un incident critique, d'un événement de sécurité qui est survenu dans notre institution et qui permettra après l'analyse et le traitement de ces messages qualité d'en tirer des enseignements et des apprentissages nécessaires à l'évolution de notre pratique. C'est via ces messages qualité et ces rapports qui sont produits à la fin de notre analyse des messages qualité que chaque collaboratrice, collaborateur va pouvoir changer un peu sa pratique et le système en général va pouvoir aussi évoluer dans le sens de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Nous avons comme exemple de ces messages qualité les patients qui parfois et malheureusement chutent dans notre institution durant une consultation, durant une prise en charge, ou même éventuellement une erreur de transmission d'information. On a mal identifié le nom du patient. On a peut-être oublié l'envoi d'un document qui était pertinent pour une prise en charge. Ce sont quand même des situations qui nécessitent d'être identifiées, analysées et après traitées pour que des systèmes de barrières, pour que des systèmes de soutien puissent exister et être mis en place afin d'éviter que ces situations apparaissent à nouveau. À la pharmacie d'Unisanté, nous sommes dans une culture positive de l'erreur. Quand quelqu'un constate une erreur, il y a immédiatement des mesures correctrices qui sont prises et en parallèle de ça, la responsable hiérarchique qui sont informées. Les mesures immédiates correctrices, c'est de contacter le patient ou la patiente concernée par l'erreur, une erreur de remise par exemple, de remise de médicaments, et puis le médecin qui a prescrit le médicament en question. Ensuite, dans un second temps, on va réfléchir au sein de l'équipe à quelles sont les mesures qu'on pourrait mettre en place pour éviter que la même erreur se reproduise. Au niveau de la pharmacie, on a une systématique où dans tous nos colloques de fonctionnement qui ont lieu toutes les 4 à 6 semaines dans l'année, nous abordons la question des incidents qui ont eu lieu. Donc on les traite systématiquement à ce colloque avec toute l'équipe. On en parle ouvertement et on cherche des solutions ensemble.